Bonjour à tous. Avant de commencer cette édition, nous avons une annonce à vous faire. Nous souhaitons envoyer Galactic News à la CitizenCon de 1950. Malheureusement, la Terre est de l'autre côté de la galaxie et le billet de Genesis Starliner n'est pas donné. C'est pourquoi nous avons besoin de vous et de votre soutien financier pour réaliser ce rêve. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo un lien vers un financement participatif. Si vos crédits sont limités, mais que vous souhaitez quand même nous soutenir, vous pouvez partager massivement cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent nous voir. Reprenons maintenant le cours normal de l'émission. La seconde partie du roman à succès, Les instruments de la reddition, dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques temps, est enfin disponible. Le guide du voyageur galactique vient tout juste de publier une documentation complète sur les lunes de Microtech. Vous saurez ainsi comment prendre en photo un soleil rose et où prendre un mât de fraîcheur. Nous apprenons d'ailleurs que les trois lunes ont été nommées d'après les muses grecques de l'éloquence, de l'histoire et de la musique. En parlant des lunes de Microtech, nous rappelons aux futurs voyageurs voulant se rendre sur la planète que si vous ne possédez pas le bon équipement, vous risquerez très vite l'hypothermie. Nous vous conseillons aussi d'avoir toujours des barres chocolatées sur vous pour vous recharger en énergie. Vous trouverez ces aliments en vente un peu partout dans le système. Vendredi, un ingénieur en terraformation est venu faire une démonstration de leur technologie, expliquant à quel point il sera facile à l'avenir de transformer des planètes en toute sécurité. Nous apprenons cette semaine qu'Eddie Parr, la personne qui devait servir de contact aux nouveaux arrivants sur Microtech, est malheureusement victime d'une maladie inconnue. Il sera donc en congé de maladie pour une durée de 3 mois. Des rumeurs commencent à circuler au sein de Stanton. Il semblerait que Tessia Pacheco, plus connue sous le nom de Twitch, soit en train de planifier de nouvelles opérations. Miles Eckhart, plus connu pour s'occuper de la sécurité du système, nous indique également qu'il a eu vent d'arrivée d'Idris dans le système et qu'il fera bientôt appel aux citoyens pour lutter contre cette menace. D'ailleurs, dans un souci de coordination logistique, les autorités vont autoriser le transport de produits dangereux par les citoyens. Cela permettra d'acheminer plus rapidement les produits nécessaires au maintien de la sécurité dans le système. Nous rappelons également que le Karak est enfin disponible et que vous pouvez l'acquérir auprès de votre revendeur Astro Armada le plus proche et que toutes vos futures possessions seront enregistrées dans le tout nouveau système informatique gouvernemental de gestion des données personnelles des citoyens. Système qui a été mis en place pour votre sécurité, bien entendu. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles.